Dans une interview accordée à Téléstar, parue le 4 avril 2023, Samuel Le Bihan s'est confié sur son rôle dans Alex Hugo. Revenant sur le départ de son collègue Lionel Astier, il a indiqué s'il envisageait, lui aussi, de quitter la série à succès. Diffusé sur France 2, puis sur France 3, depuis mars 2014, la série Alex Hugo a été récemment marquée par plusieurs départs de membres importants de son casting. Ainsi, dans l'épisode diffusé ce mardi 4 avril, Lionel Astier fera sa dernière apparition. Aujourd'hui je pense avoir fait le tour de mon personnage, j'ai le sentiment que nous sommes un peu dans la redite le concernant, alors je me dis si je ne le fais pas maintenant, avait-il indiqué à Télé Loisirs au moment de l'annonce de son choix. Marilyn Canto, qui jouait dans la série depuis 2015, a également choisi de se concentrer sur d'autres projets. Des départs qui ont marqué Samuel Le Bihan, l'acteur principal de cette fiction. Marilyn, sa ceste fait un peu au dernier moment. Mais Lionel, c'était très émouvant. On le savait depuis 2 ans, le temps de mettre les choses en route. C'était à la fois joyeux et heureux parce qu'on faisait des blagues, et en même temps émouvant parce qu'on se disait, voilà, on y est. Point, tout à coup, on prend la mesure de cette époque qu'on a vécue, du temps qui passe. Si y est-il une page qui se tourne, a-t-il confié à Téléstar? Se surprendre pour ne pas se lasser, ces départs ont-ils donné envie à Samuel Le Bihan de voguer vers d'autres horizons? Auprès de nos confrères, ce papa d'une fille autiste a fait savoir qu'il n'avait aucune envie de quitter la série. Non, j'ai envie de voir jusqu'où on peut pousser la notion d'aventure, de romanesque et d'intrigue, a-t-il répondu, mettant donc un terme aux inquiétudes de ses fans. Je pense qu'on a besoin de se surprendre pour ne pas se lasser. Et pour se surprendre, il faut se mettre des challenges, se demander comment devenir plus audacieux, prendre des risques. Si est-il pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas cherché à remplacer Lionel ou Marilyn, on a plutôt cherché à trouver des histoires sans eux, et sans chercher absolument ce qu'une personne vienne reprendre ce poste, a poursuivi l'acteur de 57 ans, qui se fait parfois peur sur les tournages. Que les adeptes de la série se rassurent, aucun départ de Samuel Le Bihan n'est donc à l'ordre du jour. Pour éviter toute lassitude, l'heure est plutôt à la réinvention.